les impressions sont très bonnes, hein, comme chaque fois que le chef de l'État intervient, il reste pratiquement dans les grands dossiers. Bon. Et la revue de il a ramassé pratiquement tous les problèmes essentiels qui se posent au niveau de la province et en mettant des solutions appropriées. Donc, et pour cela, on peut dire que il a pratiquement réussi le pari, il a gagné ce pari-là. Et nous pensons que maintenant, les choses, les bonnes choses commencent. Parce qu'il y a eu aussi un peu de complaisance, comme il y a eu à le faire observer. Lui-même est descendu, il dit qu'il doit aller, il doit palper du doigt toutes ces réalités dont on lui parlait, tout ça, et les projets sur le terrain. Les routes et tout ça, certaines infrastructures, et il ira jusqu'au port de Ndomba. Donc je crois que c'est une personnalité au fait de tous les dossiers de la province qui est là et qui parlait avec beaucoup d'aisance, qui a ramassé tout le point de A à Z, et nous sommes très très sûrs que maintenant les choses ne font que commencer. Des très bonnes choses. Donc je salue ce discours. Je crois que pour l'instant, il y a lieu d'espérer. Pouvoir compter sur des choses beaucoup plus concrètes. Et pour certaines langues qui pensaient que le président n'a plus, n'est-ce pas, de la considération, de la confiance, qu'il n'est plus au service de ses frères, quel message n'a-t-il pas? Le grand patriarche de tous les temps, le héros national. Moi, je suis tout même. C'est-à-dire que je suis de moi. Je suis venu de moi. Je suis un peu plus jeune. L'Union africaine, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit au niveau de la diplomatie en général. Voilà où on trouve, pour moi, c'est le meilleur président d'Afrique. Quand tout le monde se dit, Merci, honorable Roger Kabeshimbundu. Merci.